fait un témoignage. Depuis mon existence, où je suis partie à la haie, en 2000, le président Laurent Gbagbo est sorti en 2019, le 1er avril, en 2018, où j'ai eu la chance de par deux fois, au mois d'avril, au mois début juin, de rencontrer Madame Nadi Bamba. C'était la seule fois où il y a eu l'incident sur la toile, où j'ai répondu, cette dame-là, je ne sais pas comment elle a fait, mon portable est perdu, je n'ai même pas le numéro. Je me lève le matin, il y a un numéro qui m'appelle. Je prends, je dis bonjour, elle me dit bonjour. Elle dit, ça va, c'est Madame Nadi Bamba. Je tremblais comme ça. Je dis, ah, maman. Elle dit, non, je vais vous parler. Je dis, d'accord, madame. Elle me dit, je respecte votre choix. Que vous défendez le président Laurent Gbagbo et que vous me défendez. Mais je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas accepter que moi, Nadi Bamba, parce que vous me défendez, vous allez injurier une femme de 70 ans pour quelle que soit la raison. Si les autres sont bêtes, moi, je ne suis pas dedans. Je vous appelle et je vous exige parce que je vois que certaines personnes vous demandent de faire des vidéos pour vous excuser. Vous ne voulez pas. Vraiment, si vous m'aimez vraiment et vous aimez le président Laurent Gbagbo et vous pensez que vous êtes juste dans la bonne cause, je vous exige de faire une vidéo pour vous excuser. Nadi Bamba m'a dit ça. Elle m'a dit ça. En décembre 2019, je tremblais comme ça. Les minutes qui ont suivi, j'ai fait la vidéo pour demander pardon. C'était la seule fois que cette femme-là m'a appelé dans ma vie. C'était la seule fois qu'elle a connu mon numéro. À part ça, là, je ne suis plus en contact avec elle. C'est la seule fois. Quand j'ai fini de présenter des excuses, elle m'a dit, vraiment merci d'avoir honoré ton père. Merci de m'avoir honoré. Tu peux faire tout, il faut te défendre. Mais la femme-là, il ne faut jamais l'injurier. Et puis, je suis là, je vague à mes occupations. Mais là, là, cette fois-ci-là, c'est vous qui m'avez appelé dedans. C'est qui on peut insulter tous les jours jusqu'à... Moi-même, je demande pardon à ma maman Nadi Bamba. La seule personne à qui je demande pardon, c'est ma maman Nadi Bamba et mon papa Gbagbo Laurent. C'est les deux-là à qui je demande pardon. Parce que c'est dans quelle histoire on t'amène tous les jours et puis on te met dedans tous les jours. C'est dans quelle histoire?